Bonjour à tous, bienvenue, c'est Chris. Aujourd'hui, pas de trombine, juste la revue rapide du téléphone. Alors le téléphone, c'est le TCL Flash Plus 2 qui nous a été envoyé gracieusement par la boutique Gearbest lui aussi. Très joli petit cœur en forme d'empreinte, là ici, vous le voyez, sur la boîte de ce TCL Flash Plus 2. Et très honnêtement, je suis très content de tester ce téléphone et de montrer à vous qui nous regardez ce que, entre guillemets, hein, puisque TCL c'est aussi une marque qui a racheté une autre marque, et cette autre marque c'était Alcatel. Et donc les téléphones Alcatel, soit ils se nomment Alcatel, soit ils se nomment TCL. Et écoutez, je trouve que c'est une marque dont on parle très très peu. Un peu comme d'autres marques comme le Echo, dont on commence à pas mal parler tout de même. Mais là, ce TCL Flash Plus 2, il est vraiment, vraiment pas dénué du tout d'intérêt. Surtout par rapport à son prix, qui est autour des 160-170 euros actuellement. Et je vais vous parler d'abord de ses specs, parce que ses specs sont très, très intéressantes, très honnêtement. Très intéressantes par rapport à certains concurrents qui visent un prix vraiment plus élevé. Alors, les specs de ce Flash Plus 2 que voici. Le voilà dans son écran. Alors, ce Flash Plus 2, il est équipé d'un écran, vous le voyez, 5.5 Full HD. Il est équipé du processeur Helio P10, donc le 6755, le 8 cœurs à 1,8 GHz, parce que, je le rappelle, seul le X20 est un 10 cœurs. Donc là, on est en présence d'un 8 cœurs, hein, 1,8 GHz. On a un processeur graphique, le Mali-T 860, donc un processeur qui fonctionne plutôt pas mal associé avec ce P10. On a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, plutôt bien aussi. On a un capteur de 5 mégapixels en façade et 13 à l'arrière. On est sous Android 6.0. Que demander de plus? Bien écoutez, à part faire une revue rapide de ce téléphone, voilà ce qu'on peut en faire maintenant. Alors, il est dans une boîte dans laquelle il est bien encapsulé, parce que j'ai déjà retiré le film, hein, donc je le retire. Alors, on a un QR code, vous pouvez faire partie de la communauté Flash. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir dessus. Un Quick Start Guide plutôt complet, voilà, en multilangue, bien entendu. Le certificat de garantie, et puis, bon, bref, le reste. Donc, vous le voyez, il est parfaitement encapsulé dans cette coque en plastique. Et sous le dessous, ça reste du packaging un peu orienté haut, c'est-à-dire pas de coque, pas de petites choses surfaites, pas de protection d'écran, rien. Un chargeur batterie, alors il est noir, donc je ne suis pas sûr que les lettres apparaissent correctement à la caméra, donc je vais vous le dire, c'est un chargeur de 2 ampères puisque c'est une charge rapide et il fait un poids certain, pas, il n'est pas super lourd, mais il fait un certain poids et vous le voyez, il est livré d'office en prise européenne, ce qui est plutôt un bon point. Alors, la seule chose qui peut être décevante sur ce Flash Plus, c'est, vous le voyez, nous sommes en micro USB et pas en USB type C. Donc c'est la seule chose qui peut être un petit peu décevante lorsqu'on déballe effectivement ce téléphone. C'est qu'ils y intègrent une technologie quand même bon, sympathique avec un bon processeur, mais ils n'ont pas intégré le principe de l'USB type C. Alors, ce téléphone, voilà le look. Aluminium brossé, alors c'est façon aluminium brossé, et alors c'est bien du métal, je vais vous le montrer, c'est vraiment du métal, mais vous le voyez, il n'y a pas de tiroir à carte SIM. Si vous aimez bien voir les entrailles d'un téléphone, alors par contre il faut avoir de très 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 bons ongles, parce que bien entendu c'est pas du plastique, et donc du coup c'est moyennement déformable. Allez.
très très dur de retirer cette coque. Alors c'est particulier, hein. Bon bref, pourquoi pas. Voilà la coque, donc vous le voyez, c'est du métal. Alors le tour ici est en plastique, mais à l'intérieur après il y a encore du métal ici derrière. Donc vous voyez, pour en fait l'encapsulage, l'enclipsage, c'est du plastique parce qu'il faut les petits détons ici qui puissent quand même un petit peu se déformer, mais tout le reste est bien en métal. Toute la coque arrière est en métal, vous le voyez ici. Voilà. Et c'est vraiment de l'aluminium. Donc de l'aluminium brossé, du plus bel effet. Et c'est peut-être l'originalité de ce téléphone, c'est d'avoir fait une coque arrière en métal, mais déclipsable. Voilà. Et voilà les entrailles de la bête. Ici, vous avez donc la batterie de 3000 mAh. Et très honnêtement, le travail, vous le voyez, est très 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 propre. Je vais me rapprocher avec l'éclairage. Vous allez le voir, c'est quand même plutôt nickel. Vous avez deux haut-parleurs en bas. Ici, on voit très distinctement les deux haut-parleurs. Donc, ce qui laisse en fait une ouverture assez grande ici sur la face arrière. D'ailleurs, c'est une grille aussi, elle, en métal ici. Donc vraiment une très belle finition sur ce téléphone, hein. Vraiment il m'a fait un très très bon effet. Ouais, en fait pour enclipser la coque arrière, vous voyez en fait ici tous les petits clips prêts à recevoir en fait les clips mâles, hein, bien entendu. Donc franchement là, bon on le sait, hein, TCL c'est une très très grosse société, ils font énormément de choses, ils font principalement beaucoup d'écrans télévision, bien sûr, vous devez le savoir. Bref, donc quelque chose de costaud, de gros, et là ils ont fait un téléphone, je dirais original par sa façon d'être conçu. Voilà, la conception est originale. Alors bien entendu la batterie directement comme ça ne se retire pas, hein, parce qu'elle est vraiment aussi, regardez, elle est enclipsée dans du métal tout autour ici encore, là on le voit bien, là tout ceci c'est vraiment un encapsulage métal. Les cartes SIM, hein, les cartes SIM se mettent donc ici, carte SIM 2 ici, vous avez donc ça c'est ici bien entendu une micro SIM ici, une SIM ici, et ici vous avez la carte SD qui se met donc là, ici. Alors, je l'avais fait, je crois qu'on la glisse directement, oui. Ici, il n'y a rien à tirer, ça en fait, ça se glisse directement, juste par en dessous, et puis c'est tout. Pour enclipser la coque arrière, c'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Logique, hein? Et voilà. Et vous avez un téléphone façon unibody, mais sans tiroir sur le côté. Voilà. Alors il y a un traitement de surface sur l'écran, mais j'ai les doigts tellement gras aujourd'hui, il fait tellement chaud que ça marque un peu, mais vous pouvez le nettoyer directement avec le doigt et ça s'efface très facilement. Voilà. Alors ça marque pas autant que d'autres téléphones, hein, bien sûr, mais je le confirme, c'est que l'écran est bien, a bien un traitement de surface. Donc la face avant, ça fait vraiment une plaque vitrocérame, hein, très clairement. Vous avez donc une lettre de notification qui est ici, par là. Les capteurs, la caméra. Vous avez aussi d'autres capteurs qui se trouvent ici. Une très belle grille qui protège donc le haut-parleur en façade. Le bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes. Donc un peu Samsung, on va dire. Des boutons avec un clic très, très sec et très... Vous l'entendez, je pense, très honnêtement, même si le micro est à distance. Voilà, donc un vrai clic sur le bouton. Sur le dessus, vous avez donc le jack 3.5 et un micro de compensation. Sur le dessous, le micro principal, la prise micro USB, et c'est tout. La caméra arrière avec sa double LED flash, caméra arrière qui est une caméra, si je ne dis pas de bêtises, une caméra, oui, de 13 mégapixels à l'arrière et de 5 à l'avant. Voilà, rien de particulier. Ensuite, donc c'est un écran Full HD
Eh bien écoutez, moi, on va l'allumer, je vais vous présenter un peu ce téléphone qui m'a vraiment fait très très bon effet. Et j'ai cherché un peu et peu de gens le présentent. On reste toujours sur du Yumi, sur du Elephone, Elephone, bref, tout ce que vous voulez. Mais là, le TCL Flash Plus 2, revu en français, ben, je ne l'ai pas vu beaucoup. Une intro, on va dire, sobre. Mais on va faire comme d'habitude, hein, sur les petites revues rapides de cette façon. Paramétrage du scanner d'empreinte, test photo, et puis peut-être un petit coup dans le toutou, je ne sais pas. On verra. Suivant mon humeur. Alors, première chose, c'est de l'Android. Alors, presque stock, parce que donc on a quand même le dossier Google tel que recommandé par Google, dans lequel vous avez l'ensemble des applications Google. Voilà, vous avez une petite animation, regardez bien. Hop, c'est un dossier qui se déplie. C'est plutôt joli. Par défaut, c'est une seule page, hein, cette page-là. Avec, vous avez en plus l'application Photor et vous avez les applications qui sont triées par ordre alphabétique. Voilà. L'Antutu d'ailleurs, je l'ai déjà lancé, me semble-t-il. Oui, je l'avais déjà lancé. Alors moi, ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est faire quand même les paramètres. Donc, vous avez des boutons rétroéclairés. Ici, vous les voyez, donc le bouton Home, bouton rétroéclairé. Voilà. Les boutons ne sont pas paramétrables, hein, bien entendu. Vous avez le bouton retour à gauche et le bouton pour toutes les applications avec les différents écrans, applications lancées qui se trouvent ici à droite. Bon. Les paramètres. Donc, les paramètres, qu'est-ce que. Donc vous avez des gestes double pression sur l'écran pour allumer l'écran. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Donc il est disponible ici. C'est soit pour allumer, soit pour éteindre. C'est vous qui choisissez au niveau du double tap sur l'écran. Au niveau de l'affichage, optimiser le niveau lumineux. Donc premier point aussi, c'est la traduction de la ROM est parfaite. Donc on sent vraiment que derrière, il y a du français derrière, pas de faute de traduction, tout est traduit. Donc ça, c'est plutôt aussi un très bon point. Alors au niveau de la batterie, on va afficher le pourcentage de la batterie puisqu'il est disponible. Retour. Au niveau mémoire, donc 3 Go de RAM au total, vous le voyez, il reste actuellement 1,5 Go de disponible. Ensuite, stockage. Vous avez actuellement, comme je vais dire par défaut, quasiment sur tous les téléphones, hein, vous avez 32 Go. En fait, il vous reste environ 25 Go. Et actuellement, il y a 4,16 d'utilisés sur les quasiment 25. Donc, vous avez quand même de la place pour y stocker de la musique, des films si vous avez envie. Bref, y stocker ce que vous avez peut-être envie de stocker. Alors, on va mettre la sécurité en place. Et on va mettre un code PIN. Obligatoire pour allumer le téléphone. Non, merci. Voilà, continuer. Hop, ok. Ok. On va mettre une empreinte digitale. Alors, pour déverrouiller l'écran, très bien, accès rapide, non. Bon, bref, toc, toc, toc. Hop, ajouter une empreinte. Donc, l'empreinte, je mets mon pouce. Ok. On va verrouiller. Et on va déverrouiller. Mais alors, il ne veut pas déverrouiller écran noir. C'est bizarre. L'écran est verrouillé. Il est dans le noir. Je vous montre. Je laisse appuyer. En fait, j'appuie carrément sur le bouton Home, mais je laisse appuyer mon doigt pour lecture d'empreinte en même temps. Voilà. C'est une façon de faire. Voilà. OK? Voilà. Bon, pourquoi pas? C'est dommage qu'on soit obligé d'appuyer vraiment sur le bouton Home.
Donc il fait les deux, on va dire que vous faites les deux en une seule fois quasiment. Bref, donc voilà, c'est de cette façon que vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à faire deux manips. Hein. On laisse appuyer et vous voyez que la lecture se fait rapidement et proprement. Alors je voulais quand même vous présenter rapidement dans cette revue le test et du résultat Antutu, puisque je l'avais déjà lancé, on est auprès de 50 000 points. Donc résultat tout à fait dans les normes pour le Helio P10 sur ce TCL Flash Plus 2. Voilà, donc ça c'est dit, rien d'extraordinaire, on est dans la norme. Dernier point que je veux aborder pour cette revue rapide, c'est uniquement la caméra. Donc je le rappelle, une revue rapide, hein, on passe sur tous les tests de batterie, la revue détaillée de l'écran, ce genre de choses. Je fais du simple, c'est juste pour vous présenter l'appareil rapidement et vous montrer déjà s'il fonctionne plutôt correctement, s'il est doté d'une finition déjà plutôt propre, s'il vaut le coup. Et après, je passe sur la revue de détail. Des fois, on a un très très beau ramage, n'est-ce pas, au niveau hardware, mais le plumage, eh ben, il n'est pas là, c'est moche. Et des fois, on a un superbe plumage, mais alors au niveau hardware, ça laisse à désirer. Bref, donc là, on va aborder le test de la caméra vite fait, rapide. Et on va vérifier. Alors, premier point déjà, on a... Qu'est-ce qu'on a comme mode? Panoramique, normal, PIP. On a un mode HDR, mode nuit ici directement. Donc, ok. Donc, je finis le mode nuit. On peut se mettre en mode HDR là. Bah, tiens, je vais faire une photo en mode HDR de cette façon. Voilà, on va supprimer le mode HDR et je prends la même. Alors, lecture des photos. Donc, la première, c'est sans le mode HDR. Je vais zoomer parce que ça sera plus rapide, plus facile pour moi que de rapprocher l'écran. Alors, vous le voyez, une photo lumineuse tout de même. Sans trop de, je dirais, de saturation de couleur, sans trop de saturation de lumière. C'est plutôt propre. Et là, c'est avec le mode HDR. Et une fois de plus, le mode HDR, ben, ça sature la lumière. Vous le voyez sur la photo. On zoome au max. Ça reste propre. Les couleurs sont bien réalistes. Elles sont plutôt jolies. C'est net. Bon, ben voilà quoi. Ça a l'air de faire le boulot. Maintenant, je vous dis, hein, c'est une revue rapide, pas un test détaillé. Donc, ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez compris, vous le savez dorénavant. Eh bien, écoutez, voilà pour le TCL Flash Plus 2 et sa revue rapide. Un appareil qui, moi, me laisse vraiment très, 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 vraiment très bonne impression. Belle finition. Originalité, c'est d'avoir cette coque arrière métal. Donc, pas facile à déclipser, mais bon, voilà, c'est original. Ça vous permet quand même d'accéder aux entrailles de cette bête. Un traitement de surface sur l'écran qui fait que ça ne marque pas trop, malgré que j'ai les mains vraiment très grasses entre la chaleur et puis bah, la température que je fais. Bref, j'ai très très chaud aux mains. Là, il laisse vraiment une excellente impression après ce premier test, cette première revue rapide pour ce TCL Flash Plus 2. Et donc moi je vous dis bien écoutez à la prochaine. Alors n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, à nous mettre un commentaire, à partager. Et puis surtout, je le répète, ça n'a pas changé. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis ben, merci aux nouveaux abonnés. Et une surprise va bientôt arriver parce que le précédent, si vous avez regardé donc cette vidéo jusqu'au bout, vous le saurez. Voilà, petite surprise à la fin. Le tirage au sort qui a eu lieu sur notre précédent giveaway qui était la montre, la personne n'a pas répondu, donc je vais faire un nouveau tirage au sort après toutes ces revues. Il y aura donc un nouveau gagnant, mais
pas de nouveaux inscrits, juste les inscrits qui étaient à l'époque. Voilà, juste un nouveau gagnant dans les inscrits précédents. Allez, sur ce, ciao et à la prochaine.